Voilà, je vous fais ce direct. Hein. On est au quatrième jour de notre mission. Et on a encore une semaine à rester ici. Et je fais ce direct parce que le père, au pasteur Joël, m'a expliqué quelque chose sur les arbres. Je voudrais vous partager parce que moi, ça m'a fait du bien. Il a un arbre là, c'est un oranger. C'est un arbre qui donne des oranges. Et cet arbre était planté à côté d'un arbre plus grand qui lui faisait de l'ombre. Et à cause que l'arbre d'à côté lui faisait de l'ombre, cet oranger a poussé plus vite pour chercher le soleil. C'est-à-dire que son besoin d'être en contact avec le soleil a fait qu'il a voulu le chercher et qu'il a poussé plus vite. Et ça m'a donné bien sûr cette image, parce que Jésus, il dit que c'est Dieu et Jésus sont le soleil de justice. Ils sont le soleil. Et la recherche du soleil les a fait pousser, les a fait grandir. Les frères, il faut vraiment que c'est dans la recherche de Dieu que nous grandissons. Ce n'est pas parce qu'on arrive à toucher l'estrade qu'on dit. Oui, j'ai grandi avec Dieu, maintenant je monte sur l'estrade. Grandir avec Dieu, c'est pas ça. Grandir avec Dieu, c'est quand il y a cette croissance pour le chercher. Parce que le soleil donne de la santé aux arbres. Et aussi, il avait un citronnier, c'est un arbre à citron. Et cet arbre-là ne portait pas de fruits, ne donnait pas son fruit. Et le père Joël nous expliquait, pour qu'il apporte son fruit, j'ai dû lui mettre des coups à la base. Et il a dû le blesser, il a dû lui mettre un coup. Et quand on regarde l'arbre, il y a les cicatrices des coups. Et l'année d'après, il a porté du fruit qu'il n'avait jamais porté. Les coups qu'il a reçus a déclenché en lui le fruit. Des fois, c'est ce qu'on a besoin. Les épreuves que Dieu nous met dans notre chemin, les coups qu'on reçoit, c'est pour permettre qu'un fruit puisse naître et jaillir de nous. Je bénis Dieu parce que deux arbres, et il y a tout un enseignement biblique là-dessus. Un arbre qui pousse pour chercher le soleil, un autre qui a besoin de coups pour pouvoir porter du fruit. Ça m'a fait du bien et je vous le partage. Alors continuez à prier pour nous. Nous, on est là jusqu'au 26, si Dieu permet. On évangélise, on prêche et vraiment Dieu nous bénit. Alors, que Dieu vous bénisse à tous.